Salut à toutes et à tous, c'est Koinski, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Civilization 5 et les Japonais. Je regarde un petit peu l'émission ici, je remarque qu'il y a des missions, j'ai un peu laissé ça de côté, je dois bien avouer. Des missions assez simples qui demandent la propagation du bouddhisme dans la ville correspondante. Ça, je pourrais le faire via les missionnaires assez facilement, donc je pense que je vais m'y employer. Ça coûte pas grand chose à part un peu de production, de foi d'ailleurs, donc je vais sans doute le faire. En plus, ça m'apporte du bonheur quand les villes sont converties à ma religion, donc c'est tout bénef. Alors qu'avec U, on va faire la paix ici. Pas vraiment besoin d'être en guerre ni de les conquérir, ceux-là, ils ne me serviront à rien. Très bien, alors ici, le constructeur a fini. Je vais participer ici avec lui à la construction de la route qui va se trouver ici. On a fini le Colisée à Pékin, mais regardez, mon bonheur n'est toujours pas rétabli. Il faut bosser dessus. Il faut vraiment bosser dessus. Alors à Pékin, on a 7 citoyens, ça vaudrait le coup de faire une bibliothèque également. Un grenier me permettrait de grossir plus vite. En même temps, vu le problème de bonheur, la croissance n'est pas vraiment le plus important. Le monument historique va m'ajouter la culture plus 2, hein, ça vaut la peine quand même. Pour 2 tours, je vais le faire. Route vert annulée, oui, c'est parce que un autre s'est mis devant. On a fini la route ici. On va faire passer par le côté pour construire ici. Alors, il faut pas que j'oublie. Je pense quand même aller assez rapidement buter les Mayas. Mais je voudrais quand même travailler sur mon bonheur avant. Il n'y a pas d'urgence pour éliminer toutes les autres civilisation. Alors Tokyo ici. Tokyo qui est une ville qui est censée produire de l'or et de la recherche. Tout ça n'est pas trop mal ma foi. Je prends les casques qu'il me faut, donc c'est bien. Vais produire. Je pense qu'on va se diriger vers l'observatoire sans attendre, ou alors le Circus Maximus, mais je pourrais le faire ailleurs, je pense. Donc je vais pas le faire ici. C'est bonheur plus 5, c'est quand même pas mal. On va commencer l'observatoire dès maintenant, ça va prendre quand même du temps. Et ça va vraiment booster ma recherche. Donc ici, je voulais faire une route par ici. On a fini ici. La croissance vraiment est vraiment très bonne maintenant sur Shanghai. Mais elle est limitée par le malheur, évidemment, pour l'instant. Alors, il me bloque ici, d'accord. Je vais probablement faire une ferme quelque part, je pense. Ou alors ici faire une mine. Plutôt faire ça d'ailleurs. Quoiqu'ici je pourrais faire une mine également. On va toujours commencer par la route. Ici c'est fini. Je commence à me dire que Osaka, on va pas la faire grossir beaucoup beaucoup plus. J'ai envie qu'elle soit très productive. Le problème, c'est qu'il y a pas vraiment la possibilité d'en faire une ville hyper productive. Il n'y a pas beaucoup de cases, non, même très très peu de cases, qui vont nous permettre de produire beaucoup. C'est un petit peu ennuyeux le long de la mer parce que c'est ma seule ville qui est le long de la mer pour l'instant. Il en faudra une autre absolument plus productive pour faire de mes bateaux. Et malheureusement chez mes ennemis, il n'y en a pas vraiment. Il y a celle-ci. Il y a Palanque. Une fois que j'aurai Palanque, ici on a de la pierre, on a 2 collines ici, une troisième là, donc il y aura moyen de faire une ville quand même assez productive. Ouais, je pense qu'ici on pourra en faire un port
militaire, a priori. Faut voir parce que là, on pourra pas passer. Il y a Tikal également. Ah, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai que Osaka, donc il faut faire avec. Je pourrais faire des scieries pour essayer d'augmenter un peu ma productivité. Je vais en faire une ici. L'atelier sera également bientôt fini, ça ce sera utile. Alors j'ai fini ma caravane ici, on va voir ce qu'on peut faire avec. On va faire du commerce avec les Indiens. Je vais aller à Bombay. On va leur filer 3 de science par tour et eux un seulement. C'est pas génial. Et 4 torts par tour que l'on va recevoir. Et on va, papapam, recevoir une pression de la part de leur religion. On va quand même le faire. Ici, on répare. Alors, voyons voir, Kyoto. Kyoto. Kyoto va faire sans doute le Circus Maximus, à moins que je prépare, que j'aide à préparer l'armée, mais comme je le disais, je vais quand même cibler ici le bonheur pendant un petit moment. On a terminé le monument. Je vais faire... Ah, je vais peut-être quand même faire la bibliothèque, ce sera pas perdu. Ici, on va faire une mine. Les Mayas et l'Inde sont amis. Tu parles. Ils se rendent bien compte qu'il y a comme un problème au nord de leurs frontières. Oh, c'est plus possible d'avoir un missionnaire, tiens. Je me demande bien pourquoi. Je sais pas, je vais le laisser comme ceci. Shanghai réclame du cuivre. On ira le chercher chez les Indiens. Osaka a terminé son atelier. En termes de production, on est à 19,6. Ce qui me paraît pas si mal. Si je fais le phare, je vais encore augmenter la production de 1, ce qui n'est pas énorme. J'ai une unité de fer, j'aurai plus 1 également pour le faire ici. Alors, est-ce que je commence à produire des unités? Je voulais absolument faire une caravelle le plus tôt possible. On va faire la caravelle. Je vais peut-être même en faire 2. Pour l'instant, je vais en faire seulement une, on verra après. Mais il n'est pas exclu que j'en fasse 2. Faut que j'améliore Gangzhou également, hein. Faut pas que j'oublie ça. On va employer celui-ci pour le faire. Alors ici ce sont des plaines, des collines, et il n'y a pas d'aménagement dessus. Comment c'est possible ça? On va aller voir. Aménagement route. Production de nourriture, de...
Oh là là, je suis dingue. Je suis dingue, les amis, c'est la ville. Je suis pas bien réveillé, c'est pas grave, on va aller ici. Je me dis, mais quelle est cette case qui produit deux nourritures et deux de production sans aucune amélioration? Comment est-ce possible? Allez, c'est pas grave. Ici, on fait la route. Ok. Melbourne nous échappe. Ça vaudrait peut-être le coup de faire un petit don en or. Alors, où est-elle? Ici, forcément, celle qui est en vert. On est amis. On reçoit 3 bonheurs de leur part. C'est pas mal quand même. Donc les cités et ta mère, quand ils fournissent du bonheur, ce qui est quand même vraiment pas mal. Le coton également, si j'étais allié, je pourrais en bénéficier. Donc on va essayer de travailler dessus. On va au moins rester amis. Pour le petit boost en bonheur. Toi, tu vas aller là finir la route. Toi. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vais te faire améliorer quelque chose par ici. Je vais pas détruire trop les jungles ici parce que j'aimerais bien ici produire pas mal de recherches en même temps. Je sais pas si d'elle-même elle va faire l'observatoire, cette ville-là. J'en suis pas convaincu non plus. Donc ça sert peut-être à rien. En tout cas, je vais faire une ferme ici. Il y aura de l'irrigation. Regardez les Mayas. Ils sont avec des archers composites. J'ai les mêmes. Mais les guerriers, ils font un peu pitié. Ah, mon éclaireur va se faire shotter. C'est fini. La route est terminée. On est monté à plus 25 en or. Bien. Alors. Donc l'irrigation là, là je vais toujours faire une autre mine, ça peut éventuellement servir à un moment donné. Ici, la route. Dès que la caravelle sera terminée, on va reproduire 2 artilleries et peut-être même encore un samouraï. Mais je pense qu'avec 2 samouraïs, j'ai largement assez. Il n'existe pas meilleur instrument que la presse pour éclairer l'esprit de l'homme et faire de ce dernier un être l'arbalétrier, 18 de combat à distance. L'usine sidérurgique a besoin d'ateliers partout, je suis pas là de le faire. Où est-ce que je vais, moi, ici? Physique, est-ce que c'est moi qui ai choisi ceci? Je voulais aller vers l'imprimerie, c'est ça, pour pouvoir notamment faire le zoo. Et en même temps, je vais choper des unités militaires plus puissantes au passage, donc c'est vraiment tout bénef. Dans 6 tours, je pourrais augmenter ma catapulte en trébuchet. Ur aimerait de la truffe. J'en ai pas. Je suis impatient d'aller voir les autres civilisations pour voir où est-ce qu'elles se trouvent au niveau du score. On a vu dans un épisode précédent qu'il y avait une capitale qui était tombée. Il y aura peut-être potentiellement un empire plus puissant que les autres, donc de l'autre côté. Très probablement. Ça y est, je vais pouvoir acheter un missionnaire.
Je vais le faire. J'imagine que c'est dans une ville où il y a un temple qu'on peut le faire. Voilà. Alors, Pékin. C'est vraiment pas top la position de mes villes sur ce continent par rapport aux côtes, hein, vraiment. Mais il va falloir faire avec. Dans deux tours, j'aurai un ingénieur élite, c'est toujours bon à savoir pour la construction des merveilles notamment. Alors. Éventuellement l'aqueduc pour grandir plus vite. L'hôtel, un peu de foi supplémentaire. Ah, mais j'ai toujours des problèmes de bonheur, des problèmes même assez importants. Je vais peut-être faire l'université. En plus pour plus tard. Hein. En termes de bétail, j'ai quand même deux cases exploitées, donc ça vaut de toute façon le coup de faire l'écurie. Mon voisin, terminé l'Angorvat. Ouais. Alors, le missionnaire, je vais pas m'en servir pour mes villes à moi, je vais essayer d'aller accomplir la demande du Vatican ou de Lhasa ou de Milan. Milan est en colère, donc ce sera peut-être pour plus tard. Là, ça est juste à côté, ça m'intéresserait de l'allier à moi. Et le Vatican est ici. Il y a de la teinture. J'en ai aussi. On va voir ce qu'elles sont. Le Vatican est sans doute de toute façon religieuse. Ça augmente la foi. C'est pas ce que j'en cherche le plus. Lhasa est religieuse aussi, évidemment. Bon. C'est la plus proche. Je pourrais aller la convertir. C'est vraiment juste à côté. Ouais, évidemment, je peux pas aller sur la ville. Je peux aller à côté pour la convertir, je pense. Ok, on a terminé la route. Aménagement route, oui. On va aller assécher ce marais et faire une autre ferme dessus. Voilà l'ingénieur illustre pour l'instant en termes de construction. J'ai rien qui prend énormément de temps. Je vais le garder pour une merveille que je voudrais rusher. Ah, génial. La caravelle. On va essayer de se défendre au mieux contre les attaques au corps à corps des autres unités navales. Et on va aller vers... J'ai envie d'aller vers l'est. D'aller vers l'est. Et ici, on va commencer à reconstituer notre armée. Est-ce que je fais une forge pour pouvoir avoir plus de production et les produire plus vite, ces armées de sol? Ce serait pas bête. Sinon, ça me prend 4 tours, c'est assez rapide pour faire les catapultes. J'en ai besoin que de 2. En 8 tours, j'ai reconstitué mon armée. Je vais le faire comme ceci. Et après, on fera les continuer. Je continuerai à faire des bâtiments, notamment la forge. Alors, on prend pas ceci. De toute
toute manière, j'ai pas de croissance pour l'instant, donc je pense que je vais améliorer un peu ma production. C'était le but. Je pourrais... Ça, j'ai pas spécialement envie de l'exploiter dans cette ville. Ah, j'ai plus rien de bien à améliorer. Hein. Je pense que l'ouvrier, on va le faire dégager ailleurs. Ou alors, il faudrait que j'achète cette case-ci. Pour 115. Sachant que celle que je vais gagner, c'est c'est de la merde. Donc, je vais acheter ici la forêt pour faire... 2... La production supplémentaire un tout petit peu, mais je pense qu'avec une recherche on devrait pouvoir avoir plus de production sur les cases de Syrie. Alors où est-ce que ça se trouve? Carrière, mine, manufacture. Ah, c'est la théorie scientifique, j'en suis encore loin malheureusement. Donc on va pas tabler dessus. On va propager. C'est bon. Par contre... Ouais, je crois que la religion de l'Inde est trop en compétition. Il y a plus de pression également. Je referai un petit coup de... conversion ici après, je pense, pour vraiment prendre le dessus au niveau de Lhasa. Évidemment, quand on aura Notre-Dame, et je pense que c'est cette merveille ici que je vais rusher avec le constructeur, plus 10 en bonheur, évidemment, on va essayer de pas la louper, celle-là. J'espère qu'elle n'a pas déjà été construite, d'ailleurs. Et gagner ceci, ça servira pas à grand chose pour Pékin, parce qu'il y a des choses productives plus intéressantes, les collines. Alors, pour Lhasa, les dons d'or reçus vont augmenter en termes d'influence, d'accord. Alors, Kyoto a terminé le Circus Maximus, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je vais commencer à construire des unités également d'attaque ici. Je pourrais peut-être faire ma deuxième catapulte ici. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et alors, au niveau d'Osaka, enlever celle-ci de la file. Ok, bon, on va voir si ça fonctionne au niveau de Lhasa. Pourquoi ça s'active pas? Peut-être au tour prochain. Alors si je chope une petite île avec des ressources de luxe que je n'ai pas encore, on fera un petit colon pour aller les choper. Ok, la route est terminée. Savoir ce que je vais faire ici avec Gangzhou, je suis pas trop sûr. Finalement ici il n'y a personne qui travaille, je vais toujours faire une ferme. Ici. Ici à Shanghai.
pas trop. Je comprends pas pourquoi elle n'utilise pas ceci. Il travaille celui de cette case là et pas celle-ci alors qu'elle rapporte plus. C'est quand même un peu débile. Évidemment, je peux pas changer ça. Il travaille également le marché pour me faire du pognon. Bon. Je vais. Des problèmes de bouffe, il n'y en a pas vraiment grâce à ceci. Je vais peut-être quand même juste compléter avec une ferme à côté. Pas vraiment nécessaire. Et puis je pourrais en faire une ici, ce sera mieux. Si je prends cette case-ci. On verra. Je vais finir la mine ici. Allez. Dans un tour, j'aurai fini l'écurie et je pourrais peut-être faire Notre-Dame ici. Il y a un joueur qui a 1885 d'or. Mesure ce qui est mesurable. Allez, les trébuchets. Mesurable ce qui ne peut l'être. Et Notre-Dame. Shanghai s'est converti au catholicisme des Mayas. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Parce que on n'a pas encore ces ressources-ci. Donc, il faut absolument que je fasse un bateau atelier ici. Ça tombe bien, j'ai fini. Alors, Kyoto. Si je veux faire Notre-Dame, c'est 18 tours, mais je pense qu'avec l'ingénieur Elus, ça va être quasiment fini tout de suite. Notez, il y a Kyoto qui est libre également. Et là, c'est 10 tours avec l'ingénieur. Je suis sûr de la finir. Je préfère faire ça. Et ici, on va partir. J'aurais du bonheur. On peut peut-être faire l'aqueduc ici pour augmenter la croissance. Le grenier, déjà pour commencer. Je vais faire ça. J'enlève ceci. Je viens mettre Notre-Dame là. Avec la route, l'ingénieur sera là quasiment immédiatement, dans 2 tours, bon. Espérons qu'on se fasse pas supplanter. La catapulte, on va la mettre en spécialisation terrain plat. Je vais toujours l'envoyer par ici. Osaka, du coup, va faire le bateau dont j'ai besoin pour aller exploiter les perles. Et à Tokyo, qui a terminé l'observatoire, on produit maintenant 33 de science. Faire... Je suis pas sûr de ce que je vais faire ici. On a déjà pas mal de bâtiments intéressants en fait. Je vais peut-être quand même faire l'hôtel, ça va vite. J'aurai de la foi supplémentaire. Ou alors je prends un peu de temps pour faire un samouraï ici. Après tout, il y a quand même une caserne. Je vais le faire. Hop, 2 promotions ici directement. Ici on fait la scierie. Ici on va aller se positionner comme ceci. Il y en a un qui va aller par là. Ok, excellent.
On n'a pas progressé au niveau militaire tellement on a rien pris cette vidéo-ci, mais par contre, on a reconstitué l'armée suffisamment que pour détruire sans difficulté les Mayas. Ce que je vais faire. Et ce sera pour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera donc demain a priori ou après-demain, je sais pas, pour la prochaine vidéo de Civilization 5 avec les Japonais. Salut tout le monde!